Et salut, on se retrouve donc pour une nouvelle un nouvel épisode de d'Half-Life, donc je crois que c'est le 6, si je me souviens bien. Je sais plus du tout où on en était, donc on va voir ça, mais c'est parti hein. Alors, charger la partie, autoroute, ah oui. Donc non, genre, je sais plus trop où on était. Alors. Et je fais un tir et. BAM! Hop. Si je me souviens bien, c'est un tunnel. Putain. J'ai fait quoi? Je sais même pas combien ça fait de temps que j'ai lancé la partie. Il y a fiage de sable. Alors. Alors. Bim boum. Alors, pam pam pam, du coup ici. J'entends des bruits au loin. Jamais été là, tiens. Hop. Regagner la voie à la bagnole, mais ouais, donc. Ok, il y a des merdes qui arrivent là-bas. Elle est décédée. Allez là. Putain. J'entends des bruits extrêmement chelous. Je sais pas ce que c'est, mais. J'ai pas trop envie d'en savoir plus. Et hop. On regagne la bagnole. Et on s'en va. Ah, c'est quand même assez cool Half-Life 2. La lumière. Avec un ciel bleu. Putain, par contre, je vois pas du tout où je conduis, je pourrais tomber dans un machin. Alors. Bon bah, dégage. Mais arrête de tourner. Ah oui! Alors là, il y a un bâtiment. Il est blanc. Ok, alors. Eh oh! Hop. C'est plutôt ce qu'il y a là. Je l'ai pas déjà exploré. Ah non, c'est un autre. C'est le même petit bâtiment, mais l'escalier s'effondre pas. Ah si, je me souviens, là, il y avait un truc. Hop. J'ai pas entendu péter. Ah si. Ah
Là là là. Ah oui, je fais complètement mon chemin, allez hop. Mais j'ai rien fait péter là. Ok alors. Ouf, putain la vache. Je fais pas du tout. Je sais pas du tout trop ce que ce qui se passe, mais What? What? Aïe! Bon, je vais arrêter de faire l'andouille, mais what the fuck? J'avais même pas qu'on pouvait faire ça. Qu'on pouvait s'envoler sur son son véhicule. Alors attendez. Dehors. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Alors ça sent la douille. Je me fais canarder toute part. Aïe, saloperie. Viens par là. Alors... Oula. Foiré. Enculé. Hop là. Les petites munis. Y'a pas un truc pour regagner. Attends, y'a quoi là? Y'a quoi? Un truc? Non. Ok, alors je suis vraiment un abruti, hein. Bon, au final, elle a servi alors que bon, j'avais ma vie à fond. Il y a la barrière qui s'est évaporée. Moi, ça, c'est une propriété physique du bois. Quand tu fonces dedans avec une bagnole, il disparaît. Et cette crevasse, j'ai failli lui tomber dedans. C'est pas une base de rebelles là? Ah non! Yahoo! Est-ce que je viens de me coincer? Qu'est-ce? Qu'est-ce? D'accord. Oh! 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 Yippie! Aïe! Mais décédés, mais genre tous quoi. Alors. Donc là, on est face à un dilemme. Abandonner la voiture et continuer à pied ou garder la voiture? Bah, évidemment, on va garder la voiture parce qu'on n'est pas con quand même. Et qu'on sait comment on joue. Donc il n'y a pas de dilemme en fait. Et on va plutôt se préoccuper de comment ouvrir cette barrière. Alors. Du coup, on suit le fil. Le fil, et là on se rend compte qu'il va dans une maison. Je dis ça de manière très logique, alors que c'est forcément évident, évidemment. Donc voilà, il est relié à ça, et on voit qu'il est connecté à une batterie. Si on retire la batterie, ça s'éteint, ça devient vert, voilà. Donc il faut trouver les deux autres batteries.
Alors bon, la première elle est là, hein. Voilà, et la deuxième. Si je me souviens bien, c'est cette bouteille. Voilà. Non, c'est pas ça, là c'est pas ça la batterie. Niquer la batterie! Tu vas me niquer la batterie! Et oh! Oh bah tiens! Qu'est-ce donc? Serait-ce la batterie suspensionnée? Voilà, et. La barrière se lève. On pourra reprendre la petite voiture. Le vieux taco. Enfin, vieux. En vrai, taco, ça va, il marche. Putain. En vrai, c'est tellement rouillé ce machin. Mais c'est genre, vous l'avez assemblé avec des pièces de récup ou il était. Vous avez vraiment pris trouvé un vieux châssis et vous l'avez aménagé. Vous avez rallumé le moteur. On va dire, j'en ai aucune idée. Alors. Par contre, la vue elle est cool, hein. Oh, phare! Ah, oh oui, le phare! On arrive à cette partie du jeu. Ouais. Bien joué! On capte un signal radio, il cherche votre voiture. Garez-vous dans le garage. C'est pour ça, effectivement. Ok, Doc, il va falloir continuer à pied. Il y a un chemin secret par la falaise. Mais on ira nulle part avant d'avoir contré cette attaque. Vous avoir à nos côtés pendant le combat, ça va requinquer les troupes. Ok. Oh merde. Voilà les vaisseaux. Où ça? Je l'ai vu où? Oh, il y en a un là-bas. Il y a quoi ici? Allez, il y a les choux. Ah, c'est aménagé, c'est mignon. Voilà. Sur la route. Sur la route, oui. Mais aïe 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 aïe. Mais non, mais il me tire dessus. Les gars, vous êtes... Ouais, moi aussi je l'ai en vue. On se dirige là. Oh putain, il vient de se faire. Je lui ai mis un gros chassé. D'où arrive le prochain? Il arrive vers le phare. Et là, il y a un hélico. Vous trouverez des munitions pour votre lance-roquette au phare, Freeman. Ok. Est-ce que je trouve des munitions pour mon... D'ailleurs, pourquoi tu me dis ça? Je suis au phare, connard. Putain, je me fais canarder depuis la fenêtre. Mais what?
Alors attendez. Aïe. Yep. Par ici, Dr. Freeman. Prenons oui. Ce chemin avant qu'un autre hélico nous trouve. Ok. Alors, où tu m'emmènes? Petit voilà, petit voilà. Non. Petit infirmier. Qui vogue dans le pré. Suivez-moi avant qu'un autre arrive. Eh oui. C'est par là. Et c'est par là. T'inquiète pour moi. Mon refrain. Gymnastique. Allez, foncez, Freeman! Cours, Freeman, cours! Ça énerve les fourmilions. Bougez pas, Laszlo. Non. Allez. Mon Dieu. Pauvre Laszlo. Pauvre Laszlo. Le plus doué de sa génération. Oh, finir comme ça. On allait au camp Vortigone chercher des appâts pour que ces satanées bestioles nous laissent tranquilles. Mais sans Laszlo, à quoi bon? Putain de merde. Je sais que vous vouliez aider. Je reste un peu avec lui. J'ai quelque chose à faire. Oh merde. Allez-y. J'espère que vous aurez plus de chance que nous. T'inquiète pas. Je suis un génie. Alors, si j'ai bien compris, ne marchez pas dans le sable, les fourmilions sont à l'affût. Ah mais c'est on a encore eu la chance. Alors attendez. Je suis absolument pas sûr dans mon saut. Ok. Je suis un génie. Mon saut était vraiment pathétique, hein. Alors. Parce que peut-être que j'ai raté mon saut, c'est pas grave. Je suis un énorme idiot, c'est tout ce que je suis. Hop là. Hop là. Il y a beaucoup de hop là. Allez. Thank you.
Enfin, dans le plus de partie, j'avais raté ce saut-là. Parce que je suis nul. La porte! Hop, les munitions. Hop, petite munition, pépère. Ah merde! Pas moyen de ramener la porte? Si! Je suis un. Oula! Putain, ce lancer, il était nul, hein. Ça va! Alors maintenant que je suis là, je vais là, je crois. Hop! Hop là! Alors, si j'en crois mon expérience de joueur de demi-vie. Et... Non, 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 mais... Voilà. Je suis un génie. Vraiment trop fort. Attendez. On va procéder à une méthode. Pas celle-là déjà. Est-ce que ça va marcher? Ok, alors déjà, ça c'est un non. Hein. On va dire que. Et je me suis dit, bah autant foncer, mais en fait, non! Je suis trop fort! Je suis le meilleur joueur! C'est moi! C'est Abby! Tu crois que je peux réitérer l'opération? Même pas besoin. Attends, vas-y. Énorme défi là. Putain, merde. Ah, je suis peu. Bon, est-ce qu'on fait le chemin? Alors, attends, oula, gros challenge! Voilà, c'est parfait ça. Alors déjà on va déjà dégager ceci.
Vraiment, c'était ridicule, hein. C'était... Hop! Non mais sérieusement, mais qui... Non mais... C'est quoi cette méthode? Faire rebondir le machin? Alors... Oh! Mais quelle est cette créature venue d'un autre monde? On va la détruire! Ok alors... Elle a pas réagi! Et voilà! C'est qui le patron? Qui est le patron? Qui est le chef? Oh, pas de chef, salut. Le Freeman serait sage d'observer notre extraction de théropodes aromatiques du myrmidon. Le procédé n'est pas tout à fait hygiénique. Éloignez-vous. Déjà, tu dis bonjour. Et je viens à peine de remarquer le mec qui faisait... Les théropodes seront utiles au Freeman sur ce... J'ai pas regardé le machin. Ramassez-les. Bah c'est bon, c'est fait. Putain, mais je viens de le remarquer, lui, il est génial. Il y a quand même beaucoup d'armes, hein. Eh, hey, c'est toi le chat. Eh bien, Freeman, vous êtes un expert en fourmilion maintenant. Bah oui. Que le Freeman nous excuse. Il est impoli de converser par mouvement de flux devant ceux dont les entrées mortales sont cassées. Oui, c'est par politesse que nous nous exprimons par la voix. À moins que nos propos soient peu flatteurs, c'est ainsi. Tiens, ils sont en train d'insulter Brune là derrière. Continuez, Dr. Freeman. Nova Prospect n'est pas loin. Ok. Un homme tout seul ne survivrait pas longtemps. Mais si vous avez des fourmilions, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Le Freeman nous honore de sa présence. Suivez Freeman. J'en sais pas où j'en suis en fait. Donc dans le doute... Bah ben, je sais pas. Mais bah je pense que je vais quand même bientôt arrêter donc bah c'était sympa. Donc très bon petit épisode, on a fait la route, on a fait l'abruti sur une planche. Donc bah à la prochaine et salut.